Excusez, il y a eu un problème de connexion où on a été coupé. Je reçois trop d'appels aussi. Il y a un problème de connexion où on a été coupé. Je reçois aussi beaucoup d'appels. Non, il n'y a rien. Donc, mes frères, je vais vous donner rendez-vous. Je vais vous donner rendez-vous. Je vais annoncer le direct prochainement parce que je dois recevoir des gens et je reçois trop de coups de fil actuellement. Et je pense bien que pour ceux qui peuvent me laisser leurs préoccupations, pour des gens qui peuvent me laisser leurs préoccupations, des questions, ils peuvent aller à Nimos et puis me laisser leurs préoccupations. Je vais voir ce que je peux faire. Pour ceux qui ont des questions et des trucs personnels, ils peuvent me laisser leurs trucs à Nimos. Et puis moi, ce que j'aimerais dire tout simplement que j'ai des travaux que je ne fais pas. C'est pas forcément obligé de se déplacer pour venir me voir. Tu m'écris en inbox, j'essaie de regarder. Si ce que tu dis, je vais te répondre. Moi, je vais t'appeler. Si je ne peux pas, je te dirai. Je te dirai. Et puis, si c'est quelqu'un d'autre qui peut, je vais te donner le numéro de la personne. Mais s'il n'est pas ici, je vais te donner son numéro. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Donc, pour ceux qui ont des problèmes personnels là, qui veulent s'adresser à moi, ils peuvent me laisser des messages. Ben, ils n'ont qu'à aller en inbox pour écrire leurs préoccupations. Je vais prendre le temps de vérifier si ce que je ne peux pas, parce que j'ai dit que je ne peux pas faire tout. Il y a des choses que je ne peux pas. Et je connais des collègues, c'est des choses que je ne peux pas faire, qui peut faire. Et si je regarde le problème, je pense que ce n'est pas moi qui peux le faire, je vais te mettre en contact avec celui qui peut faire ce travail. Voilà. Je pense bien que j'ai été bien saisi parce qu'on a un peu de connexion qui me fatiguait tout à l'heure là. Et je dis encore, ceux qui ont des thèmes qu'ils aimeraient qu'on développe, ils peuvent essayer d'étaler ces thèmes-là, ou bien écrire un message, me laisser cela. Je vais prendre à analyser, et puis je vais tout donner mes enseignements. Moi, c'est ce que je peux apporter qui est là. C'est je suis le garant de la tradition, le verbe est mon art, la vérité est mon devoir. Je ne fais que dire ce que les gens disent bas. S'il y a des trucs même que les gens ne connaissent pas, cachés dans le domaine. Même les plus obscurs, ce qui n'est pas bien. Moi, les gens me connaissent pour ça. Moi, j'arrivais quoi. J'ai dénoncé tout ce qu'il y en a des collègues qui faisaient des travaux faux en Côte d'Ivoire, mais les dénonçaient sur les journaux. Ils les dénonçaient à la télévision. Moi, je ne cache pas quelqu'un. Dans nos rangs, il y a des personnes qui font des travaux de ce genre qui sont dangereux. Et je prends le temps de les dénoncer, peut-être que j'étais en parler à d'autres personnes et que d'autres savent ça à cause de ça. Je ne pense pas que je connais tout ou bien je connais quoi que ce soit, mais quand un travail n'est pas sur une bonne voie, je dis ça là, c'est que tu as travaillé n'est pas bon, il faut que tu. Voilà comment je fonctionne. Donc, je dis merci à tous ceux qui m'ont suivi, à tous ceux qui ont écrit des messages et à tous ceux encore, malgré aujourd'hui le panafricanisme qui est en train de disparaître et peut-être qu'on veut faire révolutionner le panafricanisme par la politique. On voit seulement le côté politique, mais d'abord, depuis la base, on a tout jeté, on a tout rejeté du revers de la main. Et ceux encore qui veulent comprendre cette réalité de l'Afrique et qui peuvent aussi enseigner à leurs enfants, oui, aujourd'hui, même notre danse traditionnelle, même, nous n'avons pas connu par nos enfants, quand on voit, on dit, c'est quoi? Ah, c'est des questions. Oui, la question du sujet de mon papa Gbagbo, oui, cette question, vous la posez, je vous ai déjà dit que je suis en train de développer un thème qui concerne la spiritualité, le milieu dans lequel je me trouve. Pour l'histoire politique, je pense que je vais prendre un temps pour ça. Mais dans tous les cas, Gbagbo ne va pas mourir en prison, je l'ai déjà dit depuis fin de l'année passée. Il va sortir, il va aller sur la tombe de sa maman. Parce que c'est le sujet le plus ardent. Le sujet le plus ardent, le premier sujet du président Laurent Gbagbo étant là actuellement, c'est d'aller sur la tombe, recueillir ici dans la tombe de sa maman, c'est ce qu'il veut actuellement. Mais cela va se réaliser, il va le faire.
Je ne suis pas contre quelqu'un, je ne veux pas de la politique, non, mais je suis pour la réalité. Le ciseau, la marraine des marraines toujours. Je salue le prince Abiy. Le prince de Dibé, Dibé pas. Ouais. Je salue les personnes qui sont encore en train de défendre la tradition, comme l'impératrice Marie Didi, dans le côté culturel, qui fait l'effort de dépenser beaucoup d'argent dans le côté culturel. L'impératrice Marie Didi, une grande dame d'affaires, qui fait l'effort d'aller chercher jusqu'à des artistes en Côte d'Ivoire pour venir faire plaisir à nos frères en Europe, qui dépensent beaucoup d'argent juste pour faire plaisir à nos frères en Europe. Et nos enfants qui sont en Europe, qui ne voient pas ce qui est traditionnel, notre zagrobi, notre danse traditionnelle, les trucs qu'on porte pour danser, les enfants sont ici, ils ne connaissent pas. Elle fait un effort pour aller chercher des artistes pour venir apporter ça aux enfants. C'est une femme à encourager. C'est une femme qui fait l'effort pour la tradition. Dans la tradition, il y a plusieurs volets. Il y a le côté culturel et puis il y a le côté spirituel. Moi, je suis pour le côté spirituel. Mais tous ceux qui sont du côté traditionnel, tout ça, c'est la même chose que tu as fait culturel et traditionnel. C'est tout ça qui va pérenniser notre culture. Faire connaître à nos enfants notre danse de chez nous, ce que nous appartient. Et ce que, c'est-à-dire un peuple est pauvre lorsqu'il n'a pas de tradition. C'est quand tu n'as pas de tradition qui est pauvre. Parce que tu n'as rien à apporter. On vient chez les Blancs ici, à métro, à RER, pratiquement chez nous, là, qu'est-ce qu'on peut leur donner? C'était les Blancs à l'époque pour aller prendre nos masses, pour aller visiter nos forêts sacrées, malgré que eux-mêmes qui envoient gris, c'est pas bon là. Et mes parents vidaient nos forêts sacrées, qui partaient voir les masses et consorts, et moi ils partaient même danser tout ça. Mais les gens, ça doit attirer l'attention des gens. Pourquoi ils disent que c'est pas bon? Et c'est ces blancs, même blancs qui viennent payer nos masses. Tu vois, nous, dans les musées ici, nos masses sont pleines dans les musées ici. Ils ont tout payé chez nous. Mais avant de tout payer, il fallait qu'ils diabolisent ça, que c'est pas bon. À l'époque, j'avais regardé sur une chaîne, comment on appelle là, Enquête Impossible, où il y a un masque Yacouba qu'ils avaient envoyé pour la fécondation. Et ce masque-là, il y a une femme qui a touché, et cette femme est tombée enceinte. Et elle a appelé plusieurs personnes qui sont venues toucher, même ceux qui étaient stériles sont tombés enceintes, ils ont fait passer ça. Ça veut dire que c'est quelque chose que nous avons fait. Mais quand tu touches ce masque, simplement, tu vis de toucher, tu tombes enceinte. Si tu n'es pas enfant, tu allais faire enfant. Tu vas faire enfant. Et c'est arrivé, ils ont parlé, ils ont mis ça déjà sur la chaîne, et j'ai regardé. 90 femmes à l'époque qui étaient tombées enceintes. Tu as vu? Qui ont touché, qui sont allés par expérience, les blancs sont allés. Et le match a été déplacé de Yorkbo pour venir ici, mais ils sont allés toucher. Les gens venaient par expérience pour dire, comme moi, quand j'ai la fin, ils touchent et ils s'en vont, ils tombent enceintes. Ils ont eu l'expérience du coup de faire passer ça à la télévision. C'est pour vous dire quoi? L'Afrique, on a des dons. On a des choses que nous-mêmes, nous, diables, nous satanisons. On a des choses que nous-mêmes, nous rejetons. Et c'est pour ça qu'on arrive. Comment un Africain peut arriver ici et puis chez travail, il ne gagne pas? Mais c'est pas normal! Non, c'est pas normal. Un Africain qui a quitté le village, il a dit au revoir à ses parents, il est venu se chercher et puis il n'a pas de travail. Comment quelqu'un peut faire 10 ans, il n'a pas de papier? Papier, ils n'ont pas fait ça pour faire, pour donner aux gens. Pourquoi il ne gagne pas? C'est la question qu'on doit se poser. Un vrai Africain hein, qui est quitté là-bas, qui connaît la partie de ses ancêtres, qui est quitté chez son vieux et puis il est venu, et puis il fait 10 ans, 20 ans, il n'a pas de papier. Il est en train de se cacher comme un voleur dans le pays des Blancs. Dans le pays des Blancs ici, là, où on est ici, là, tout ce qu'il y a là, tout le métro, c'est nos parents qui ont construit, c'est pour nous. Tout l'argent qu'ils ont, c'est pour nous. C'est dans nos cacao. On doit bouffer ça. Donc nos parents doivent venir même. L'immigration, là, c'est parce que vraiment nos parents mettent trop dans l'eau. Sinon, on doit venir envoyer chez eux ici. C'est normal. Parce que tous nos trucs, ils ont pris pour venir ici. Tous nos cacao, ils ont diminué les prix pour que nous, on soit pauvres. Mais si on est pauvre chez nous, on n'a rien. On va venir rester chez vous. Dans nos propres pays, on n'a pas de sécurité. Et on est pauvre. On n'arrive pas à manger, il n'y a pas de travail. Et vous avez pris tout, vous avez déposé ici. Mais nous, on va suivre ça. Où nous l'ayons, voilà, c'est là où on est en train de venir là. C'est dommage que nos parents mettent dans l'eau et puis les Libyens sont en train de nous traiter d'une manière. C'est dommage quoi. Mais si quelqu'un ne peut pas laisser son pays où il se sent bien, où il a les moyens pour venir chercher à traverser l'eau, où ça casse, où ça pue, où je meurs, où je vis là, il ne peut pas faire ça. Parce que la vie est trop belle. Mais si quelqu'un prend ce risque là de le faire, c'est parce que ça ne va pas. Et nos dirigeants doivent comprendre ce côté là. Ça ne va pas. Comment vous allez faire pour que ça aille et puis les enfants vont avoir travail là? Nous n'avons qu'à trouver la solution. Mais les Blancs, de toute façon, ils ont tout pris là. Nous, on va venir rester chez eux. Où nous allons s'en va là, c'est là où nous on va rester. C'est comme ça. Nous, on suit notre argent. Vous prenez tout, vous envoyez.
C'est vous qui fabriquez nos lions, non? C'est vous. Donc, on vient prendre, vous. C'est pour ça que nos frères là viennent. Il dit nos frères doivent apprendre à nager pour ne pas qu'ils meurent. Mais mon frère, en milieu de la mer, si quelqu'un tombe, si quelqu'un tombe, si quelqu'un tombe. Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je crois bien que on va faire un programme. Et laissez vos préoccupations et les questions que vous voulez qu'on débat régulièrement, même si on n'est pas côte à côte, on sera en direct de notre télévision et on va se dire la vérité. Il y a des thèmes qu'il y a à développer, mais si je ne suis pas actuellement, je suis actuellement en France. Peut-être que jusqu'à janvier, je rentre en Côte d'Ivoire, mais on restera toujours en contact. Et les directs, ça va pleuvoir à tout moment. Je vais tout le temps vous entretenir. Vos préoccupations, je vais tout les prendre. Pour ceux qui veulent mon numéro, ils n'ont qu'à aller en inbox, ils n'ont qu'à m'écrire en inbox, je vais leur donner mon numéro. Voilà. Ciao. Merci beaucoup à toute la famille. Je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde de m'avoir suivi. Et ceux qui ont pris le temps de... C'est Yacouba qui l'avait envoyé pour la fécondation. Et c'est parce qu'il y a une femme qui a touché. Et cette femme est tombée enseignement en France. Ça, c'est en retard. On restera toujours en contact. Et les directs, ça va pleuvoir à tout moment. Je vais tout le temps vous entretenir. Vos préoccupations, je vais tout les prendre. Ah, c'est toi qui parles. Ceux qui veulent mon numéro, ils n'ont qu'à aller en inbox. Ils n'ont qu'à m'écrire en inbox. Je vais leur donner mon numéro. Voilà. Bonne soirée. Que la paix. La paix du Tout-Puissant, comme on le dit, de Dieu, du Dieu universel, soit sur nous et que nos ancêtres continuent de nous protéger, que protègent tous les migrants qui sont rentrés, que protègent toutes ces personnes qui sont dans les problèmes, dans les difficultés et qui arrivent à sauver l'Afrique de toutes ces misères. Et qu'ils fassent de sorte que les Africains comprennent et que nos dirigeants comprennent que la souffrance est trop. Voilà.